Au nord de la Bourgogne, les églises de Puisé protègent des peintures murales du Moyen Âge. D'une rare beauté, elles témoignent des modes de vie et des croyances de l'époque. Nous allons vous faire visiter 5 sites emblématiques. La Ferté-Loupière, Moutier-en-Puisé, Saint-Fargeau et Auxerre. L'église de la Ferté-Loupière conserve une des plus importantes danses macabres d'Europe. 25 mètres de long, 42 personnages représentent toutes les strates de la hiérarchie sociale de l'époque médiévale. Marie-Gabrielle Caffin, historienne d'art, passionnée d'iconographie médiévale, interroge la symbolique des images. Ici, la danse macabre est précédée d'une figure récurrente du Moyen Âge, le dicte des trois morts et des trois vifs, que Marie-Gabrielle observe avec Denis Breneau, membre de l'Association des Amis de la Ferté. Ce sont trois jeunes gens qui rentrent de la chasse, d'où les faucons et les chiens que l'on a, et qui, au détour d'un chemin, près d'un cimetière, qui est représenté par la croix, vont se retrouver face à face avec trois morts. Il y en a un qui est assez agressif, qui pointe la lance en direction du monde des vivants. C'est un poème moralisateur, c'est vraiment pour dire qu'il faut se préparer à la mort. À cette époque-là, on n'aime pas la mort subite, et il faut se préparer à cette mort. Et après, on va être vers la danse là, qui nous emporte, quoi. Et là, c'est fini. La danse macabre a de moins en moins de secrets pour René Gratzol, fervent défenseur du patrimoine local. C'est toute la hiérarchie sociale qui est représentée dans une danse macabre, jusqu'au petit enfant qui est réveillé par le mort. Ils sont assez vivants. Hein, les morts sont très dansants, sont très dynamiques, contrairement aux vivants là, qui sont plutôt figés. Une danse macabre, ce sont des laïcs et des clercs qui sont entraînés dans une danse. Et en général, on a un couple, un squelette et donc un personnage qui est encore vivant, qui est entraîné dans cette danse. Ici, on est à la fin, donc on a l'ermite qui termine la danse macabre et le mort qui salue la foule. C'est toujours d'actualité, la danse macabre, parce que la mort existe toujours. Et la mort, elle est aussi faite pour tout le monde, qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit puissant, qu'on soit parmi les plus humbles de la société. La mort vient toucher tout le monde, vient chercher chacun d'entre nous. Et c'est un petit peu l'égalité. Mais aujourd'hui, on pourrait très bien aussi bien représenter les hommes politiques, représenter une hiérarchie militaire. Voilà, ça peut s'adapter à tous les cas. Le village de Moutier-en-Puisé garde la mémoire d'une longue histoire religieuse, celle d'un monastère de l'époque médiévale dont ne subsistent que des vestiges à peine identifiables. Il a pourtant accueilli de nombreux pèlerins, ce qui explique l'étendue des peintures murales de l'église paroissiale. Les décors peints des murs de l'église datent de plusieurs époques. Romane pour le mur nord de la nef, gothique pour le mur sud. Dans la travée droite, la restauration a laissé coexister deux époques. Quand on découvre des peintures murales, on a souvent plusieurs couches qui se superposent, plusieurs décors qui se superposent. C'est le cas ici à Moutier. Donc il faut prendre un parti de restauration, savoir si on conserve une couche plus qu'une autre, si on conserve les deux. Donc quand les peintures murales de Moutier ont été découvertes, sur ce mur, il a été décidé de conserver le témoignage des deux peintures murales, la superposition, donc les peintures romanes et par-dessus les peintures gothiques.
La recherche historique a profondément fait évoluer la représentation du Moyen Âge. Aujourd'hui, on ne parle plus de période obscure et noire. Le médiéviste Alain Rouel participe à ce mouvement de redécouverte. La procession de la frise supérieure de Moutier, dédiée à des figures populaires, intéresse tout particulièrement Alain Rouel et Marie-Gabrielle. C'est intéressant de voir cette procession juste au-dessus de ces thèmes bibliques et de cette histoire biblique qui nous est racontée. Alors, ces personnages ont les yeux en amande, très effilés. On a perdu pour certains la pupille, pour d'autres on l'a gardée. C'est vraiment une caractéristique de cette époque, de la fin du XIIIe et XIVe siècle. Le peintre a donné toute sa sensibilité avec le jeu des regards, les attitudes vraiment explicites des mains, des gestes. Il en va un petit peu du Moyen-Âge comme des murs de cette église, finalement. La réalité historique en a été pendant très longtemps cachée sous des couches de badigeons mythiques. Et puis les historiens ont fait de plus en plus, au fil des décennies et des années, tomber les badigeons pour faire apparaître quelque chose de plus complexe, avec des réalités qui correspondent à des périodes différentes, qui sont certes liées entre elles, mais qui constituent quand même des moments bien particuliers et qu'on ne peut pas tous assimiler. Le haut Moyen-Âge, la période féodale, le bas Moyen-Âge, ce n'est pas du tout la même chose. Et donc on a à la fois une complexité, une diversité et donc une richesse qui apparaissent. La grande césure, la grande séparation vraiment très très forte, c'est entre clercs et laïcs. C'est-à-dire, il y a les hommes de Dieu qui ont un rapport privilégié avec le divin, avec le sacré, et puis il y a ceux qui ont besoin d'eux pour accéder au sacré. En quelque sorte, il y a ceux qui savent et qui guident, et il y a ceux qui ont besoin d'être accompagnés. Comme c'est un monde où l'élément religieux, c'est-à-dire le rapport à Dieu, structure tout, c'est à partir de là que se créent véritablement les hiérarchies. Ce qui ne veut pas dire, évidemment, faut pas avoir une vision du tout angélique, qu'il n'y a pas de forte hiérarchie sociale fondée sur des rapports de domination, fondée sur la possession de la terre, sur la richesse, etc. etc. Mais la référence ultime, c'est la relation à Dieu. Cette division absolue entre un visible et un invisible, entre un réel et un irréel, elle ne fonctionne pas pour quelqu'un qui entre dans une église comme celle de Moutier au XIIe ou au XIIIe siècle. Pour lui, le monde est continu. Le monde est continu entre le monde terrestre sur lequel il marche, dont il travaille difficilement la terre au jour le jour, et puis le monde céleste, qu'il espère gagner un jour, mais qui appartient au même ensemble, là encore. Et les entités, les créatures du monde invisible sont, pour lui, dotées d'un degré de réalité comparable aux créatures visibles et sensibles qu'il croise tous les jours dans sa vie de famille ou dans son travail. Jacques Le Goff, qui est mort récemment, qui a été un des plus grands historiens du Moyen-Âge, disait que, pour un homme de l'époque féodale, l'univers était tout bruissant d'ailes d'ange. C'est-à-dire que toutes ces choses que les sens n'atteignent pas, pour autant, étaient considérées comme pleinement réelles. Hein, il n'y a pas cette association stricte du réel au sensible qui est la nôtre. Des membres de l'association des Amis de Moutier visionnent une vidéo de la dernière visite du restaurateur Isao Takahashi, qui a travaillé pendant plus de 10 ans à la restauration des peintures de Moutier. Monsieur Takahashi vient tous les étés à Moutier et nous amène des étudiants de l'Université des Arts de Nagoya
à qui il souhaite montrer son chantier, parce que c'est vraiment, on n'ose pas dire son préféré, mais son grand chantier des années 80 et 90. C'était impressionnant parce que moi je l'ai vu dès le début, j'y passais de temps en temps voir Isao et il était dans ses échafaudages, donc on ne savait pas ce qui allait en sortir finalement de tout ça. C'était impressionnant de le voir quand même passer des journées, des heures et des semaines ici tout seul avec son petit scalpel là, en train de travailler comme ça, le nez sur le mur. Il était tout seul. Technique derrière, qu'est-ce qu'il y a? Esprit. Ensemble, esprit et la technique. Faire vite, on peut faire vite. Pas grand-chose rester sur le mur de médiéval. S'il n'y avait pas eu le monastère, on n'aurait pas ça. Le monastère est né au tout début du 8e siècle. Et provoqué par un évêque d'Auxerre. Et le monastère a été fondé comme un monastère avec une vingtaine de moines, mais aussi avec un bâtiment qui était chargé de recevoir les pèlerins bretons, en particulier irlandais, qui se rendaient à Rome. Ce n'est pas une histoire de reliques ou des choses comme ça, c'était des pèlerins qui étaient en transit de l'Irlande jusqu'à Rome et qui s'arrêtaient à Auxerre. Pourquoi? C'est parce qu'à Auxerre, Saint Patrick, le saint patron des Irlandais, est venu recevoir l'enseignement de Saint Germain d'Auxerre. La notoriété de Saint Germain, l'évêque d'Auxerre, a permis la fondation de l'abbaye. À sa mort, un pèlerinage s'organise autour de son tombeau, installé dans la crypte même de l'abbaye. Micheline Durand, longtemps conservatrice des musées d'Auxerre, a participé à la sauvegarde de la crypte qui présente un cycle de fresques remarquables. Nous entrons dans la crypte de l'abbaye Saint-Germain. Cette crypte qui, depuis le IXe siècle, accueille les pèlerins qui viennent vénérer, honorer ce tombeau de Saint-Germain qui est présent depuis 448, depuis qu'il a été ramené de Ravenne, où il est mort. Un lieu impressionnant. Regarde, toutes ces peintures, les murs, les piliers. Ce ne sont pas simplement des illustrations. C'est toute une réflexion qui va amener justement le pèlerin à mieux comprendre la démarche, à mieux comprendre, à mieux aller vers le sacré, à mieux aller vers la relation à Dieu. Et l'image, là, comme la relique, elle servait à cela. Elle servait à passer de ce monde humain au monde divin. Nous arrivons au lieu ultime de tout ce pèlerinage, cette déambulation dans ce couloir avec le tombeau de Germain. Proximité de l'abbaye, d'autres peintures murales du XIe siècle, celle de la chapelle de la crypte Saint-Étienne.
une fresque représentant un Christ sur un cheval blanc, entouré de quatre anges cavaliers, occupe entièrement la voûte. Très certainement, la représentation d'un passage de l'Apocalypse de Saint Jean. Cette peinture possède une particularité. Elle a conservé la trace de ce qu'on appelle un repentir du peintre. Après avoir dessiné une première esquisse de la tête du cheval, l'artiste, qui ne devait pas être satisfait, a voulu reprendre sa peinture, mais la première mouture est réapparue. Le fond de l'abside est occupé par un Christ en majesté. Il a un beau regard, il nous regarde, il nous fixe, il nous bénit de sa main droite, il tient l'autre main appuyée sur le livre avec l'alpha et l'oméga, et puis il tient la croix. Là, on a l'aigle qui est le symbole de Jean, et puis on a l'homme qui représente Matthieu. Il faut prendre le temps vraiment de les regarder parce qu'on voit les petits détails dans les vêtements. On voit encore des petits points blancs qui nous donnent comme le tracé des ailes. Moi, j'aime beaucoup le tracé des ailes de celui-ci. Alors, ce qui surprend dans ces cryptes pour le visiteur, hein, lorsqu'on arrive ici, ce sont ces voûtes d'arêtes. Pour les années 1030, c'est une technique qui est déjà connue, mais c'est la première fois qu'on les utilise sur une aussi grande surface. Si les constructeurs gothiques ont réintégré cette crypte sans la percer de nouvelles fondations, eh bien justement, ce n'est pas pour rien. C'est certainement en raison de ces techniques tout à fait novatrices dans leur mode de diffusion. Que certaines peintures sont interrompues. Alors ça, c'est quelque chose pendant des années qui a beaucoup interrogé les spécialistes. Et c'est là où, effectivement, ce travail de collaboration avec les archéologues a apporté des réponses, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que le déambulatoire est conçu comme son nom l'indique, hein, pour déambuler, pour mettre en circulation les différents espaces de cette crypte. Et ensuite, eh bien, un siècle après, on décide en fait de cloisonner ce déambulatoire. Il faut imaginer donc un mur plein, voilà, avec un autel, une petite armoire dont on a retrouvé la place avec la piscine liturgique. Et si cette chapelle a été installée dans cette travée-là et pas ailleurs, c'est parce qu'elle devait tenir compte de l'existence d'un passage qui est ici. On devine encore l'arc dans le mur, un passage qui mettait en communication la crypte avec le palais de l'évêque. Ah oui. On pense que la chapelle de l'évêque, en fait, c'est la chapelle axiale où sont représentées ces fameuses peintures avec le Christ à cheval. On a une très très belle tête de lion, mais de la même époque que la clé de voûte et la figure du lion, là, on avait certainement les apôtres, il nous en reste plus que deux. Et puis au centre, la figure du Christ. Quand on visite, on ne les remarque pas parce qu'elles sont dans l'ombre, alors qu'elles sont d'une très très grande qualité. Et la finesse, la puissance du regard du personnage est très intéressante. Et moi, m'émeut beaucoup. Carlos Castillo pratique un métier particulier, celui d'archéographe. Il relève sur des calques tout ce qui figure sur les murs avant leur restauration. C'est gentil de nous rejoindre. La peinture vient aussi trahir un peu l'existence des éléments antérieurs ou postérieurs. Et c'est effectivement ce mélange des deux qui nous a fait découvrir pas mal de choses. D'où la collaboration. Le travail du relevé archéologique consiste à pouvoir identifier sur une paroi peinte et les différents décors qui se sont superposés dans les siècles. Par exemple, ici, on a des fragments de ces personnages qui a disparu à un moment où on a mis peut-être un badigeon blanc pour faire un nouveau décor. Ces badigeons blancs, ce serait l'équivalent aujourd'hui des papiers peints, où les personnes viennent rajouter un papier peint sur une peinte, sur un fond existant déjà, pour modifier la décoration. Imaginez-vous aussi également que la peinture murale peut avoir 5, 6, 7, 11 couches différentes de peinture, un peu comme si on avait 11 couches de papier peint l'un après l'autre, et que le travail de l'archéologue serait de pouvoir identifier les couches mélangées, parce que parfois on arrache un morceau par-ci, on arrache un morceau par-là, et que les couches se mélangent, et pouvoir les placer dans son contexte d'origine. Dernière étape de nos pérégrinations picturales en puisée, la ville de Saint-Fargeau avec la chapelle Sainte-Anne. Située dans le cimetière, cet humble édifice conserve des peintures de la fin du Moyen-Âge.
Sylvie Enoch en a restauré les peintures. Je vais regarder un petit peu comment c'est actuellement. Oh là là, ça fait 10 ans que je suis pas venue. C'est très humide. Ah, ça c'est ma préférée. C'est ma peinture préférée. C'est celle que j'ai commencé à faire toute seule. Il y a une très très belle perspective en partant de Jésus, la croix. En plus, ils sont magnifiques, les costumes, c'est magnifique. J'ai travaillé aussi sur cette peinture, là, là, que des souvenirs. Ça fait 10 ans que je ne suis pas venue ici. Et ça n'a pas trop changé, je suis très contente de ça. C'est en bon état. Les visages sont très beaux. Assez expressif et en même temps pas trop restauré. Chaque chantier, chaque peinture murale est différente, hein, selon la fragilité de la couleur, la fragilité de l'enduit, du support, les écaillages, les poches d'air, enfin, ça dépend, c'est assez... Bon, il y a une réflexion à avoir ensemble. La méthode pour tout ce qui est en dehors des personnages, c'est en fait des pigments avec un liant, hein, souvent acrylique. Puis pour les personnages, c'est à l'aquarelle. Donc c'est beaucoup de temps de travail à l'aquarelle, pour avoir justement cette pureté, cette luminosité, cette transparence. Parce que le problème aussi dans la fresque ou la peinture murale, c'est ne pas boucher. C'est laisser la possibilité de rentrer dans la peinture, que ça soit pas plein. Par exemple, vous avez il y a une histoire sur ce caleçon bleu. Voilà, caleçon bleu. Est-ce qu'on le reprend point par point pour bien ressortir les deux jambes, ou est-ce qu'on laisse un peu évanescent? Donc, avec l'accord aussi, hein, d'ailleurs, parce que nous sommes suivis par des inspecteurs, hein, des monuments historiques, inspecteurs et inspectrices. Donc on a décidé de ne pas trop le mettre en avant, parce qu'il est très usé. On ne va pas remonter point par point toutes les usures. Donc c'est, on va dire, un perpétuel, bon, c'est un peu imagé, un perpétuel dialogue avec la peinture murale. Hein. Voilà. Mais il y a différents restaurateurs, différentes. On a la même technique, mais après, il y a aussi ce que apporte le restaurateur, les restaurateurs. Les peintures murales du Moyen-Âge sont à la fois proches de nous, de par leur qualité artistique, et lointaines quant aux intentions des peintres et des hommes qui les ont commanditées. Elles peuvent néanmoins nourrir notre perception du monde contemporain. Je dirais que le plus grand intérêt du Moyen-Âge pour un homme ou une femme d'aujourd'hui, plus que de lui donner un sentiment de continuité, de profondeur chronologique, d'enracinement ou je ne sais trop quoi, c'est de lui apporter de l'altérité. Un sentiment de l'autre qui est en même temps un peu lui-même. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que, évidemment, dans un village comme Moutier, l'habitat, la présence des hommes est continue depuis des siècles, et en même temps, l'habitant de Moutier d'aujourd'hui, aussi familier qu'il soit de ces peintures qu'il voit à chaque fois qu'il entre dans l'église, il en est culturellement extrêmement loin. Et donc, il est dans un rapport à la fois de familiarité et d'étrangeté. Et c'est ce jeu entre les deux. Un collègue historien dit toujours, à propos des hommes de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, qu'il faut se demander s'ils sont pour nous des papas ou des papous. Eh bien finalement, un peu les deux, des arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grands-pères dont nous avons probablement, même si c'est très difficile de dire quoi, encore un peu quelque chose, et puis en même temps, des gens qui sont incroyablement différents de nous, que nous avons du mal à comprendre. Et je crois que ça fait du bien. En un temps où l'on n'arrête pas de parler d'identité, c'est-à-dire de même,
infuser un peu, et même beaucoup, d'altérité, d'autres, ça me paraît très salutaire. Les hommes du Moyen-Âge, ce sont, d'abord et avant tout, nos autres.